Êtes-vous capable de dépenser près de 20 000 euros pour obtenir un robot humain chez vous? Oui, vous avez bien compris, 20 000 euros, c'est le prix de Optimus, l'IA de Elon Musk, un truc de fou. Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la chaleureuse bienvenue sur ma chaîne Hey Cyber. Ici, j'aborde des thématiques liées à la cybersécurité, l'intelligence artificielle, le hacking ou encore la tech. Donc si cela t'intéresse, te passionne ou t'aimerais juste en savoir plus, t'es au bon endroit, n'hésite surtout pas à me laisser un petit pouce bleu et à t'abonner. Dans cette vidéo, je vais vous présenter des reportages sur la mise en exécution de la folle idée de Elon Musk avec ses différents robots humanoïdes. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires et à me donner votre point de vue. Un taxi robot, un van robot et un robot robot. Can you dance one more time? Yeah, I'll give you one more. Yes, please. Wow! Elon Musk a présenté les futurs produits de son entreprise Tesla dans une conférence à peine ironiquement appelée We Robot. Welcome to the We Robot Party. Voyons d'un peu plus près ces annonces qu'Elon Musk considère relever du futur de l'autonomie. Ça, c'est le robot taxi, appelé le robot taxi. Une voiture sans volant ni pédale et qui fonctionne exclusivement en autonomie grâce à l'intelligence artificielle et des caméras. It feels as if a human is driving. Wow, I'm shocked. Yeah, it's pretty incredible. L'argument, c'est d'utiliser l'expérience accumulée par toute la flotte de véhicules pour réagir à toutes les situations possibles et imaginables. Elle se rechargerait par induction et se nettoierait toute seule en station. Le client pourra simplement commander un robot taxi sur une application, grimper dedans et faire sa petite sieste ou regarder un film sur le trajet. Selon Musk, il sera même possible d'en acheter pour un usage personnel pour environ 30 000 dollars. Le deuxième véhicule annoncé, c'est une sorte de robot van qu'ils ont appelé le robot van. Un minibus sans conducteur, capable de transporter 20 personnes au maximum et que là, comme ça, je vois pas trop capable de passer un ralentisseur, mais bon. Et le troisième, c'est le robot tout court qui s'appelle Optimus et Elon Musk a promis qu'il serait votre R2-D2 ou C3PO rien qu'à vous, mais en mieux. Ce qui est impossible, mais bref. What's the hardest thing about being a robot? Trying to learn how to be as human as you guys are. Il devrait coûter dans les 20 000 dollars et est présenté comme un ami humanoïde, mais surtout comme un assistant autonome qui peut faire à peu près toutes les tâches, les courses, le ménage, sortir le chien ou faire les devoirs aux enfants. Pendant l'événement, quelques Optimus étaient présents et ont même fait le service. Step right up. Can I have a watermelon fogarita? A watermelon? Yeah. How am I doing so far? Killing it. Here you go. Thanks, Optimus. Je vais arrêter là avec le reportage, je pense que j'en ai assez vu et j'espère que vous aussi. Personnellement, j'ai été bluffé
par les différents IA qui ont été proposés, que ce soit sa voiture ou encore le robot. Mais mon opinion, c'est que je ne peux pas laisser ma vie entre les mains d'une voiture automatique ou bien encore entre les mains d'un robot. Moi, c'est mon opinion, c'est mon point de vue. N'hésitez pas à me donner le vôtre dans les commentaires. Qu'est-ce que vous avez en pensé de cette vidéo en toute transparence? Dites-moi la vérité, qu'est-ce que vous en avez en pensé? Pour ma part, en fait, pour mon opinion, je pense que les robots humanoïdes, en vrai de vrai, sera une révolution, mais il y aura aussi un mauvais côté. Parce que dites-vous que pour l'instant, on arrive à les contrôler. Mais il y aura un moment où on n'aura plus la main dessus et là, ça va commencer la catastrophe. Vous direz sûrement je suis pessimiste ou bien je ne sais pas quoi. Après, ça reste mon avis. Hein. Honnêtement, ça reste mon avis. Et je dis juste ce que je pense. Voilà. Donc, n'hésitez pas à me dire le vôtre dans les commentaires. J'espère que la vidéo vous a été instructive. Laissez un petit pouce bleu. Abonnez-vous si vous êtes nouveau ou nouvelle sur ma chaîne. Vous ne serez pas déçus. À très bientôt pour une nouvelle vidéo sur Cyber.